C'est comme ça qu'il se nomme, ce petit village du Far West. Les habitants y vivent paisiblement, sous la gouverne de leur shérif, Duke. Un homme qui n'aime pas trop qu'on le dérange ou que l'on trouble la paix dans son village. Il y arrive sans trop d'efforts, surtout quand il prend un verre d'alcool. Henriette, c'est la tenancière du saloon. Une femme forte qui voudrait bien marier son fils Clyde à Jolene, la fille du banquier. Mais Clyde n'arrive pas à conquérir le cœur de Jolene. Jolene, c'est la belle du village. Elle rêve du grand amour. En attendant, elle vit avec son père, le banquier, un homme très protecteur envers sa fille. Le temps passe lentement au gré des jours tranquilles. Un matin, un homme fait son apparition. D'où vient-il? Que cherche-t-il? L'homme dérange. L'homme séduit. Tous et toutes. Le village ne sera plus jamais le même. La vie des habitants est à jamais marquée par le passage de l'étranger.